Madame Guéhudron, je suis enseignante en sciences et techniques sanitaires et sociales à Passy-Saint-Honoré. Et moi, Christine Amestoy, donc je suis la responsable des cordées pour le lycée Carcado-Cesval. Voilà, donc en fait aujourd'hui on a des étudiants de Carcado, des étudiants de Passy-Saint-Honoré et donc des étudiants de troisième année, donc ils seront vos tuteurs cette année. Et en revanche, dans chaque groupe, j'ai mis des élèves de Carcado et des élèves de Passy-Saint-Honoré. Vous serez forcément mélangés. Après, parfois, parce que je crois que c'est la classe, c'est Passy-Saint-Honoré, vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc, parfois, vous êtes deux de Passy-Saint-Honoré et un de Carcado. Justement, on ne va pas vraiment expliquer ce que c'était les cordées. Donc, parcours scolaire, c'est des élèves de 3e année, concernant en économie, qui sont proposés d'être tuteurs pour des lycéens, pour leur expliquer un peu donc, notre parcours et pour vous aiguiller aussi, pour voir avec vous ce que, enfin, votre choix d'orientation et voir si on peut vous conseiller des formations. Il y a peut-être des formations que vous ne savez pas qui existent. Essayez de vous donner des pistes si vous avez des questions sur, sur les études supérieures. Vous pouvez nous les poser, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve aussi que c'est bien, puisque ça permet de voir d'autres, parce qu'on a internet pour nous dire ce qu'il y a comme études, comme filières et tout, mais je trouve que d'avoir les avis des étudiants dans les filières, c'est bien. Et donc du coup, ce que j'attends aussi de ce tutorat, c'est que si je le fais, c'est aussi pour savoir si je pourrais pas trop, enfin si je pourrais pas me guider vers autre chose, peut-être que radiologue c'est peut-être pas ma voie. Du coup si par exemple ça va me trouver une autre voie, par exemple dans le social. Moi l'alternance, moi j'en ai trouvé une, je l'ai trouvée assez tôt. Et ils m'ont choisi parce que j'avais plein d'expérience, parce que j'étais scout avant. J'ai arrêté avec les études, voilà, c'était compliqué. Mais j'étais scout pendant plus de 10 ans. Il y en a qui étaient là parce que les parents m'ont demandé, parce que l'école elle a dit que c'était bien. Et en fait, au final, ils nous ont rencontrés. Et ils ont dit que c'était une belle rencontre et qu'ils ont envie de continuer. Et en plus, ils ont plus de séances que nous. Au niveau des cordées, ils ont des grands temps. Il y en a un la semaine prochaine, par exemple, avec un film. Dans deux semaines, ils ont d'autres temps, donc ils vont pouvoir réfléchir. C'est-à-dire qu'ils vont nous voir, ils vont peut-être avoir mûri sur leur projet, avoir des idées, des questions plus précises pour qu'on puisse les aiguiller plus facilement. Peut-être des questions sur ce que nous on fait, parce qu'en plus on est tout en alternance. On voit le terrain, peut-être ils auront des questions. On a pu vraiment chacune s'exprimer, c'était très bien. Ils ont pu poser des questions. Moi ce sont quand même. Moi je leur ai expliqué la formation, le BTS, le D et tout. Moi je sais que j'aurais bien aimé au lycée avoir un truc comme ça, parce que comme je savais pas où aller, dans quel métier du social, moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide. C'est pas parce qu'ils sont pas très bons au lycée qu'ils vont pas pouvoir s'en sortir après. Moi elles m'ont étonnée, elles pensaient que le BTS SF c'était plus que le bac. Voilà, vous êtes à l'honneur. Donc les cordées de la réussite. À l'IGC Danton pour la projection du film Le Brio. Alors, ce que je voulais d'abord vous expliquer, c'est que ici, vous êtes de plusieurs établissements. C'est les cordées de la réussite, les cordées de Paris. Ça regroupe 10 établissements. Et les 10 établissements sont tous représentés ici. Là, nous projetons un film. Et ensuite, nous avons un débat et aussi. Nous accueillons les étudiants de Passy-Saint-Honoré et de Carcado-Cesval qui sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis venue au lycée Fénelon-Sainte-Marie voir une conférence sur les métiers du social organisée par les Cordées de Paris. Ça a été plutôt enrichissant et ça nous a permis de découvrir plusieurs métiers sur le social et plus particulièrement sur les sans-logement. On nous a présenté différents métiers du social.
particulièrement l'aide dans les personnes qui ont des besoins, surtout les SDF. Et donc on nous a présenté différentes associations, différents métiers et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Moi je trouve que c'est bien parce que en rapport avec la foi, c'est super important l'entraide. Et donc là, ça nous a permis de comprendre que vraiment les SDF à Paris, il y en avait énormément et que c'était un problème en soi et qu'il fallait qu'on les aide. J'ai expliqué comment venir en aide sur le logement en détresse, donc plus particulièrement soit on va les voir dans la rue le soir ou en journée, ou bien ils peuvent venir dans des centres pour essayer d'avoir des hébergements. Aujourd'hui, on s'est regroupé tous les élèves tutorés et les élèves tuteurs pour la remise de diplôme, celle-ci, voilà, et répondre à un petit questionnaire sur le parcours qu'on a fait avec les élèves, etc. Un bilan de l'ensemble des actions qu'on a faites avec les tutorés. Ce que ça a pu nous apprendre, ce qu'on ressort de tout ça, quoi. C'est une satisfaction, ouais, de savoir qu'on a été utile. Et il y a une reconnaissance du travail qu'on a apporté et qu'ils nous ont aussi apporté, eux. C'était un échange. On leur a apporté, nous, notre expérience, mais eux, ils nous ont apporté aussi des connaissances par rapport justement à leur projet professionnel. Et c'est ça. C'était vraiment des séances qui étaient basées sur l'échange. Je pense qu'on en a appris autant qu'eux ont pu apprendre de nous. C'était agréable de... Enfin, moi, je sais qu'au lycée, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur qui me reposer sur certaines questions pour le bac ou pour avoir des contacts. Enfin, moi, j'aurais bien aimé ça. Et c'est agréable de... voilà, d'aider des jeunes filles, des garçons, mais qui sont motivés, ouais, en plus, voilà, à faire le parcours avec nous, donc c'est sympa, et on leur apporte autant qu'elles nous apportent aussi, donc c'est cool. Vous savez que lorsqu'on a fait les Journées Nationales des Cordées de la Réussite, il y en a plusieurs qui ont dit que dans leur CV, ils avaient mis l'attestation. Ils avaient glissé ça comme dans le diplôme, avec le diplôme du bac, avec le diplôme du BTS, etc. Ils avaient mis le diplôme des cordées. Et une des personnes qui s'occupait du recrutement nous a dit « Mais nous, on aime les gens qui sont un peu atypiques. » Mais les gens qui ont fait des cordées, qui sont investis pendant un an dans des cordées, c'est différent. Donc on a un autre œil. Donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à vous remettre, d'abord pour honorer le travail que vous avez fait, et en plus, pour vous dire, ça a de la valeur. Et ça a de la valeur aussi pour des employeurs. Je suis très impressionnée par ce dispositif, mais ce dispositif des cordées, il n'existe que parce que c'est vous qui l'animez, et vos enseignants aussi, parce que c'est du travail en plus. Mais moi, je suis époustouflée par votre engagement. Et le thème de l'année prochaine, justement, c'est l'engagement. Et vous avez su vraiment tenir un engagement sur toute la durée. Et ça, c'est remarquable.